Faut-il détester la Russie ou faut-il réfléchir? Le grand stratège des États-Unis, Zbigniew Brzezinski, disait deux choses à propos de la Russie. D'abord qu'il fallait l'assimiler, la coloniser, la civiliser, et puis surtout qu'il fallait l'affaiblir par tous les moyens possibles. L'auteur, c'est Robert Charvin, professeur de droit international. Il a écrit de nombreux livres sur les droits de l'homme. Dans « Faut-il détester la Russie ?», il explique pourquoi, ici, en Europe occidentale, on a oublié ou on a caché que c'est l'URSS qui a vaincu Hitler et que les USA ont attendu 4 ans avant d'intervenir. Aujourd'hui, certains révisent l'histoire. Comment est-il possible qu'un résistant anti-nazi héros de la Seconde Guerre mondiale soit accusé de crimes de guerre? Comment est-il possible qu'à l'âge de 75 ans, il soit envoyé en prison un demi-siècle après les faits? La diabolisation, c'est aussi ce deux poids, deux mesures constant dans la presse. Tout ce que les États-Unis ou la France font, c'est bien. Tout ce que la Russie fait, c'est mal. Quels intérêts y a-t-il derrière ce discours? En fait, Charvin nous met en garde. Si nous ne sommes pas critiques envers nos médias, si nous laissons déformer l'histoire, on risque de se faire entraîner vers une nouvelle guerre froide qui sera peut-être pas si froide que ça d'ailleurs.